afin que tu puisses encore élever son trône de gloire. Alors que beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup même ce matin ne se sont pas réveillés, pensant tout simplement rendre un culte à Dieu, mais l'Éternel a dit, c'est terminé. La porte de la vie est terminée. Mais à toi et à moi que l'Éternel a accordé cette grâce, pour lequel la porte de la vie est ouverte. Ne fermons pas nos bouches en ce matin. Élevons nos voix afin de glorifier le roi des rois. Élevons nos voix afin de rendre les actions de grâce à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux élever son trône en ce matin?
Est-ce que tu peux glorifier son Saint-Nom en ce matin? Est-ce que tu peux élever sa Seigneurie en ce matin? Est-ce que tu peux te rappeler de ses bienfaits en ce matin? C'est lui qui a renouvelé ses bontés en ce matin. Alors que nous n'étions pas dit, mais par sa grâce, par sa miséricorde, par sa grande bonté, par son amour infini, qui nous a renouvelé le souffle de Dieu, la force de la santé, la grâce en ce matin, afin de te tenir dans sa présence. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux reconnaître les bienfaits de l'Éternel? Est-ce que tu peux encore célébrer sa Seigneurie? Est-ce que tu peux encore lui dire merci en ce matin? Dieu de gloire, nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es glorieux. Nous reconnaissons que tu es amour. Nous reconnaissons que tu es miséricorde. Nous reconnaissons, ô Père, que tu nous as aimés, Seigneur. Papa, nous venons te rendre les actions de grâce. Nous venons te dire merci. Merci pour la vie en ce matin. Merci pour ce privilège que tu m'accordes, Papa, de me tenir devant ta sainte présence. Père éternel, mon roi, Papa, merci. Merci pour la vie, la force et la santé, la grâce. Oh, merci Seigneur, Seigneur, au Père. Notre louange. Merci, Roi de gloire. Notre gratitude. Merci, la majesté. Nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Est-ce que tu peux continuer d'élever la voix? Il a fait tellement de grandes choses. Merci. Il a fait pour toi de grandes choses. C'est plus que toi tu as accompli, Seigneur. Alors notre gratitude t'appartient. Alors notre alléluia t'appartient. Alors notre chant t'appartient. Papa, nous voulons ce matin, Seigneur. Alors nos cœurs et nous refusons de fermer nos bouches, Seigneur. Père, lorsque nous regardons à tes bienfaits. Lorsque nous regardons à tes bienfaits, Seigneur. Reçois toute notre gratitude. Lorsque nous regardons à ton amour, Seigneur. Père, reçois nos actions de grâce en ce matin. Mon adoration. Alléluia. Pour toi seul le véritable. Alléluia. Je ne la donnerai pas à un autre en ce matin, Père. Mon alléluia. T'appartient. Alléluia. Alléluia. La dosa, la dosa, la dosa. Mon adoration. Mon adoration t'appartient. Mon adoration. Mon adoration t'appartient.
Dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 23, la parole de Dieu nous dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. Ce matin, nous voulons adorer le roi des rois. En esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Une adoration qui va toucher le cœur de Dieu. Ce matin, nous voulons faire un cœur à cœur avec le roi des rois. Nous voulons aller toucher son trône. Nous voulons rentrer dans le Saint des Saints. C'est là où l'Éternel nous attend. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu es disposé en ce matin afin de lui rendre un culte agréable à la gloire de son nom? Ce matin, il a dit tout simplement: je cherche des véritables adorateurs. Alors même si tu ne sais pas chanter, tu vas tout simplement adorer le roi de rois. Celui qui entend les cœurs, celui qui entend l'adoration profonde, va sonder ton adoration ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire en ce matin: Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi en ce matin. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains en ce matin. Je me livre totalement. Totalement ce matin, je m'abandonne. Je veux t'adorer en ce matin, Seigneur. Aide-moi à faire monter une adoration agréable, Père. Aide-moi à t'adorer, Seigneur Jésus. Voici, je ne sais pas adorer. Mais mon âme veut t'adorer en ce matin. Mon esprit veut t'adorer en ce matin. Tout de moi veut t'adorer en ce matin. Saisis-toi de moi en ce matin. Afin que je puisse te rendre ce culte. Afin que mon adoration puisse monter auprès de ton trône, la majesté. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que tu peux prier en langue ce matin? De ton esprit en ce matin. Saisis-toi de moi en ce matin. Remplis l'atmosphère en ce matin. Ouvre les cieux en ce matin. Je veux te voir, Saint-Esprit. Je veux te voir. Non seulement je veux te voir, mais je veux te toucher. Alléluia. Que ta voix résonne.
Réclame à ton Seigneur en ce moment. Demande au Saint-Esprit en ce matin.
désire que tu l'appelles, désire que tu l'invites en ce matin, Alléluia. Que tu ne sois pas un simple spectateur, mais que tu l'ouvres ton cœur en ce matin. Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Il a dit ce que l'Éternel désire en ce matin. Ce sont les véritables adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ce matin, si tu pouvais tout simplement l'abandonner, oh, afin que l'Esprit de Jésus vienne prendre la place du roi. Oh, nous soupirons après toi ce matin. Nous t'appelons ce matin la majesté. Oh, c'est de toi dont nous avons besoin véritablement. Prends toute la place. Nous abandonnons, nous vivons d'elle. Prends toute la place ce matin. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, Saint-Esprit. Que ton règne prend toute la place. Que ton règne opère, prends que ton règne siège. Prends toute la place. Alléluia. Nous te désirons encore ce matin. Ce matin, c'est de toi dont nous avons besoin. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit en ce matin? Tout simplement lui dire, ce matin, c'est de toi dont j'ai besoin. Mon âme soupire après toi. Besoin de ton esprit. Mon âme te cherche en ce matin. Alléluia. Est-ce que tous dans l'assemblée, nous pouvons nous lever en ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Parce que véritablement, ce matin, je veux te rendre un culte à la gloire de Dieu. C'est-à-dire pas le culte d'hier ni le culte d'entier, mais le culte d'aujourd'hui. Je veux rentrer dans ce que tu veux accomplir en ce jour. De ce que tu avais prévu pour moi en ce jour. Je refuse de le louper, de le rater, de passer à côté. Je reconnais qu'en ce jour, c'est une journée extraordinaire. Là où tu as déplacé ton serviteur depuis la Côte d'Ivoire pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire pour moi? Alléluia. Je déclare que c'est un jour extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je vous sens timide, alléluia. Prends toute la place en ce matin. Remplis ces lieux. Alléluia. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Est-ce qu'on peut dire prends la place? Prends la place, Jésus. Dis-lui prends la place. Prends la place, Jésus. Dis-lui prends la place. Prends la place. Prends la place, prends toute la place. Oui, dis-le, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Chante-le encore. Oui, prends la place. Jésus, oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Lève tes mains et chante, oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Dis-le, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Dis-le encore, oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends
place. Oui, chante-le encore, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Jésus, oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Ce que tu veux, oui, prends toute la place, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis nos pensées, oui, prends Seigneur, prends toute la place, viens régner Seigneur, c'est ce que tu veux, encore, oui, prends toute la place, prends toute la place, envahis nos cœurs, envahis nos cœurs, envahis nos pensées. Une dernière fois, prends toute la place, prends toute la place. Et envahis nos cœurs envahis ce matin, envahis nos pensées, oui nos pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, Seigneur, oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Seigneur, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Et on va chanter. Oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. En ce matin, en ce lieu, que tous les noms, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait. Oh oui, que tous les autres noms, tous les autres noms disparaissent. Et Jésus prend la place. Jésus prend la place. Oui, Jésus prend la place. Jésus prend la place. Et nous chantons que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Et nous chantons que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Dis-le plus fort, que tous les autres noms disparaissent ce matin, pour que le nom de Jésus domine en ces lieux. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Oh, Jésus prend la place. Jésus ce lieu prend la place. Jésus prend. Ce matin, Seigneur, il prend ta place. Jésus prend. Nous te désirons, Seigneur, prends ta place. Jésus prend la place. Et Jésus prend la place. Jésus prend. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Est-ce que pendant que nous chantons ce chant, tu peux battre tes mains? Et dis, Jésus prend toute la place aujourd'hui. Jésus prend la place. Prends toute la place que toi seul.
seul mérite aujourd'hui. En acclamant, nous accueillons sa présence. En acclamant, nous accueillons son nom. Par tes acclamations, accueille-le. Et ce matin, Jésus prend ta place. Regarde Jésus, tu es le bienvenu en ces lieux. Seigneur,
Seigneur. Jésus, prends ta place. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Jésus, prends ta place. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Jésus, prends ta place. Et prends ta place. Jésus, prends ta place. Seigneur, et prends ta place. Jésus, prends ta place. Nous saluons ta présence, prends ta place. Jésus, prends ta place. La Bible déclare que, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors ce matin, l'esprit qui est en toi doit vraiment se manifester. Lorsque nous sommes en train de dire que toutes les voix doivent se taire, c'est afin de laisser l'esprit, c'est-à-dire le véritable toi, adorer le roi des rois. Amen. Je sens que les pensées sont trop diffuses et les pensées sont dispersées en ce matin. Il faudrait véritablement que l'Esprit de Dieu en toi puisse adorer le Saint des Saints. Afin que la gloire de Dieu descende. Yes. En fait, c'est ton adoration qui l'attend. Amen. Ton adoration est encore trop limitée en ce matin. Peut-être tu t'attends au chant trop modérateur. Mais l'Éternel est en train de te dire, c'est ton adoration que je veux en ce matin. Amen. Afin d'ouvrir le ciel, afin d'ouvrir les nuées en ce matin. L'Éternel veut que tu l'adores. Parce qu'il a dit qu'il recherche de véritables adorateurs. Il recherche de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous avons dissipé tout autre Dieu, toute autre voix, toute autre pensée en ce matin, ordonne à ton esprit en ce matin de l'adorer véritablement. Là, nous sommes actuellement, nous sommes que dans les parvis. Nous ne sommes même pas encore dans les lieux pressants, même pas dans les lieux saints. L'Éternel nous attend encore dans une autre dimension. Il a dit, poussez encore, allez encore plus loin. C'est là-bas où je vous attends. C'est là-bas où je veux libérer ma gloire en ce matin. Parce que j'ai prévu pour vous des grandes choses, alléluia. Mais il faudrait tout simplement que tu m'adores parce que c'est mon langage. C'est le langage, c'est l'expression que moi j'écoute, que moi j'entends, que moi je reconnais. Lorsque tu m'adores, c'est alors que j'ouvre le ciel et je libère ma gloire. Afin d'accomplir ce que toi tu attends de moi. Mais alors l'Éternel est en train de nous dire en ce matin, mais alors toi fais ta part. Fais ta part en ce matin. Ce que je désire ce matin, c'est que tu m'adores. Amen. C'est que tu m'adores. C'est-à-dire que tous les autres dieux doivent disparaître. Je ne sais pas avec quoi tu es venu en ce matin, chargé, fatigué, peu importe. L'Éternel est en train de te dire, adore-moi ce matin, alléluia. Adore-moi ce matin. Je veux libérer ma gloire, mais il faudrait qu'un peuple puisse m'adorer. Qu'un peuple puisse permettre que je puisse ouvrir le ciel. J'ai prévu des grandes choses pour vous en ce matin, alléluia. Est-ce qu'il y a des véritables adorateurs en ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut l'adorer en ce matin, alléluia? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut rencontrer le roi des rois ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui soupire afin de rentrer dans sa présence en ce matin? Dans les lieux très saints de l'air. C'est là où l'Éternel nous attend. Alors que les chantres vont adorer en ce matin, vont nous conduire dans l'adoration. Mais toi, adore ton Dieu, c'est-à-dire ouvre ton cœur. Prends la position que tu veux en ce matin. Ne regarde pas ton frère ni ta soeur, mais adore le roi des rois. Dis, je veux monter. Je veux monter plus haut. Je veux rencontrer mon roi des rois. C'est alors qu'il a dit à son serviteur Abraham, monte à la montagne. C'est là où je te rencontrerai. Monte à la montagne. C'est-à-dire que l'Éternel veut que tu montes ton niveau. Il veut que tu montes ton adoration ce matin, alléluia. Alléluia. Sous
Tout l'homme, la gloire, le
réponds quand je t'appelle. Adonai. Jésus, tu réponds quand nous t'appelons. Adonai. Car tu es créateur de toutes choses. De toutes choses, Adonai. Quand Jésus, tu réponds quand nous t'adorons. Adonai. Nous chantons Créateur, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Notre roi.
Je veux chanter, je veux
Dieu qui entend nos prières et un Dieu qui exauce nos prières. Amen.
Alors je crois que parmi nous, l'Éternel a encore fait des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel fait des grandes choses. Amen. Amen. Alors je voudrais tout simplement inviter une ou plusieurs personnes en ce matin pour qui l'Éternel a fait des grandes choses. Amen. Qui veut tout simplement venir témoigner les hauts faits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que je sais que l'Éternel fait des grandes choses. Et il ne se fatigue pas de renouveler ses bontés. Alléluia. Amen. Oui, maman Patricia, est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Alléluia. Je vais témoigner vendredi, on était là. J'ai un dysfonctionnement des colons qui est irrité et tout. Et j'ai mal à chaque heure. J'ai toujours mal, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais depuis vendredi jusqu'à là, j'ai pas mal. C'est Amen, alléluia. C'est la première fois que j'ai pas mal pendant des jours. Amen. C'est la première fois. Surtout plus la nuit. Mais là, c'est vendredi et samedi, j'ai bien dormi. Je me suis dit, mais waouh! Parce qu'au milieu de la nuit, je ne peux pas dormir de ces côtés-là. Même mon sac ne peut pas toucher. Même ma main, si ça touche. Mais là, depuis vendredi, en tout cas, ces deux jours, ça va et je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Même j'ai dit à Joanie, ah, je vais me montrer là. Pourquoi je vais montrer mes genoux? Maintenant, j'ai mal aux genoux. Là, ça a été, là, ça continue, c'est ça. Gloire à Dieu. Je Amen. Grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Seigneur, merci pour tes bienfaits. Est-ce que nous avons encore un second témoignage? Est-ce que nous avons un second témoignage? Alléluia, dans l'église de Dieu. Tout simplement pour la force qui t'a renouvelée en ce matin. Amen. La vie qui t'a renouvelée en ce matin. Le souffle de vie. C'est une grâce. C'est un grand témoignage. Amen. Alléluia. Un très grand témoignage. C'est-à-dire que nous tous, en fait, nous devons témoigner. Amen, tout simplement amen, parce amen. Qu'aujourd'hui, nous sommes vivants. Amen. C'est un grand témoignage. Alors, nous allons tout simplement rendre gloire à Dieu, dire merci à l'Éternel. Amen. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Amen. Merci, Seigneur, grand Dieu, pour la force et la santé. Alléluia. Que tu nous as renouvelés en ce matin. Car ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma force. Mais c'est parce que tu m'as renouvelé ta force. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors tu vas tout simplement te lever en ce matin. Tu vas aller voir ton frère, ta sœur en ce matin. Tu vas dire, attends-toi des grandes choses parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever en ce matin? Tu touches ton frère, ta sœur, tu dis, attends-toi des grandes choses en ce matin. Tu as choisi la bonne part en ce matin. Tu as choisi la bonne part. Bénis ton frère, bénis ta soeur en ce matin. Alléluia. Dis-lui des bonnes paroles en ce matin. Nous allons tout simplement louer le roi des lois. Louer le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui se déploie dans la louange. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous allons louer en ce matin. Je ne sais pas quelle attitude tu vas prendre. Je ne sais pas si c'est le pas de danse que tu dansais jadis. Mais il faudrait tout simplement que tu lui montres un mouvement de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà commencer à acclamer le roi des rois? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même.
Jésus ne m'a jamais laissé.
j'ai dit, inutile de recevoir des acclamations. Il y en a, vos mains restent statiques. Lorsqu'on chante, il faudrait que notre corps suive le mouvement de nos paroles. Inutile de recevoir nos acclamations. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Vous avez mal aux mains? Est-ce que quelqu'un a mal à la main? Bon. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main comme ça? Donc tes mains sont fonctionnelles ce matin. Alléluia! Et il est dit de recevoir nos acclamations. Il est dit acclamer. Oh, il est dit de recevoir nos acclamations. Il est dit de recevoir nos acclamations. Il est dit. S'il vous plaît.
Chacun à sa place, s'il vous plaît, également. Amen. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons, par nos acclamations, célébrer le Seigneur, honorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, en battant les mains très fort. Celui qui est à côté de toi, dis-lui ce matin, tu es béni d'être dans la présence du Seigneur. Oh, c'est comme s'il n'a pas entendu. Dis-lui, tu es béni d'être dans la présence du Seigneur. Oh, mais c'est comme si tu avais même peur de lui parler. Parle bien. Tu es béni d'être dans la présence du Seigneur. Ah, si tu savais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire que ce que tu dis là affecte sa vie, tu l'aurais dit avec plus de vigueur. Dis-lui, tu es béni d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. On va prier. Tenez-vous avec. Nous avons le boîtier pour ceux qui veulent payer en carte. Et ici, on donne en espèces. Pour ceux qui ont des enveloppes, qui veulent honorer, je ne parle pas des enveloppes que le prophète Thierry a données. Non, pas celles-là. Les enveloppes de l'église, une fois, l'avenir, les engagements, le partenariat. Tenons tous les mots, s'il vous plaît. On va prier. Ferme tes yeux. En fait, est-ce que l'homme va prier pour nos offrandes? Tu ordonnes, la chose arrive. Tu parles et la semence tombe sur terre et elle produit. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te présenter toutes nos offrandes. Toutes nos offrandes. Toutes nos dîmes, Seigneur, nos dons volontaires, afin que, Seigneur, la pluie de la rivière et de l'avant-saison descende sur elle pour apporter la multiplication, l'expansion, Seigneur, voire même la guérison, Seigneur, le rétablissement, la restauration, Seigneur, dont ton peuple a besoin. Nous venons prophétiser sur nos offrandes ce matin, afin que, éternel mon Dieu, qu'elle rende témoignage, Seigneur, auprès de ton trône. Que l'ennemi se taise à jamais, Père, lorsqu'il tentera de chercher à venir dévorer ce qui nous appartient. Nous déclarons, Seigneur, la paix sur nos terres, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, tu prends ton offrande, tu sais comment ça se passe. Les chants vont nous conduire, n'est-ce pas? Après nous avoir conduits, elles vont aussi faire leurs offrandes. Amen. Le protocole, s'il vous plaît. Let's go. Oh,
Victoire, 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 vict
ce matin de nous faire du bien. Amen. Ni avec quel état tu es venu, ni avec quel état d'esprit, avec quelle prière, avec quel souhait tu es venu. Mais j'aimerais simplement ce matin que nous puissions encore abonder en actions de grâce, yes, abonder en reconnaissance. Amen. Connaissons ce que Dieu a fait pour nous. Je ne sais pas quel est le fardeau avec lequel tu t'es déplacé, mais le fait que tu as un fardeau ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Amen. Ne signifie pas que Dieu est moins bon, ne signifie pas que Dieu est moins fidèle. Alors ce matin, j'aimerais, avant que nous chantions ce chant tous ensemble, que nous puissions exprimer notre gratitude. Est-ce que tu peux te tenir debout, juste en signe de reconnaissance? Je reconnais que ce que j'ai, c'est toi qui l'as fait pour moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Alléluia. Et est-ce que chacun pour sa part, nous pouvons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu? Vous savez, il y a un type de prière que personne ne peut faire pour vous. C'est rendre grâce à Dieu. Parce que je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour ton voisin et tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour la personne de derrière. Aucun homme de Dieu, aucune imposition de main ne pourra rendre grâce à Dieu pour toi. Donc si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc ce matin, j'aimerais qu'avec nos paroles, nous puissions encore le bénir et le célébrer. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce et le célébrer avec nos paroles? Juste lui dire merci. Je dis merci à toi qui es saint et toi qui es glorieux, Seigneur. Oh, tu ne peux pas demeurer silencieux. Est-ce qu'on peut réellement avec nos mots glorifier le Seigneur? Célébrer le Seigneur, lui dire merci parce qu'il est bon et qu'il est merveilleux, parce qu'il est fidèle et qu'il nous abandonne pas. Nous te bénissons, nous te célébrons encore ce matin parce que tu es bon pour nous. Ah, nous voulons encore le confesser ce matin. Tu es tellement fidèle. Tu es celui qui ne nous délaisse pas. Même lorsque nous passons par des moments difficiles, même lorsque c'est compliqué, nous voulons encore te célébrer ce matin. Alléluia. Nous voulons encore te célébrer ce matin parce que tu es magnifique et tu es merveilleux pour nous. Parce que tu es celui qui ne nous abandonne pas. Et parce que tu es le meilleur ami que nous puissions avoir. Ce matin, nous voulons encore te présenter notre reconnaissance. Ce matin, nous voulons encore te présenter notre gratitude. Ce matin, nous voulons le dire, tu es bon. Ce matin, avec nos acclamations, avec nos pieds, avec nos cris de joie, avec tout ce qu'il y a en nous, avec tout ce que nous sommes, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te magnifier parce que tu es bon et tu es merveilleux. Et tu es celui qui ne nous délaisse pas. Et tu es celui qui ne nous abandonne pas. Alors ce matin, reçois simplement notre gratitude. Ce matin, reçois simplement notre reconnaissance. Parce que tu es merveilleux. Ah, ah, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? C'est pas là que ça se passe. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer?
transformation. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer en poussant les doigts? Parce qu'en fait, Dieu regarde au langage du cœur. Alléluia. Tu peux être en train d'adorer Dieu, exprimer à Dieu, plutôt dire des paroles à Dieu en guise d'adoration, mais ton cœur n'y est pas. Voyez? Alors cette adoration n'est pas agréée par Dieu. Amen. Amen, amen. Mais Dieu regarde à ce qui vient du cœur, il puisse depuis le cœur. Et le cri que tu pousses peut être une adoration, une reconnaissance. Des fois, si tu ne sais pas le faire avec tes paroles, fais-le avec tes mains. Fais-le avec ta bouche, fais-le avec beaucoup de choses. Alléluia. Je veux vraiment qu'on acclame très fort le Seigneur et qu'on pousse des grands cris de joie. Une bénédiction de prophète. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous avons l'honneur de recevoir un prophète. Et Amen. Je suis convaincu que nous allons recevoir une bénédiction. Même pas une bénédiction, des tonnes de bénédictions. Amen. Pense Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je prends le plaisir à l'écouter. Alléluia. Amen. Et c'est un homme instruit, c'est un homme qui est imprégné vraiment dans les Écritures. Alléluia. Amen. Et un homme franchement, quand vous allez en Côte d'Ivoire, le jour que vous irez, allez à Boaké. Vous allez voir le travail qu'il a là-bas par la grâce du Seigneur. Donc c'est une grâce pour nous de recevoir de telles personnes. Amen. Amen. Et j'aimerais simplement que tu sois connecté de façon à ce que tu ne sortes pas d'ici sans ce que j'avais prévu pour toi. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien leur assemblée soient jugés dignes d'un double honneur. C'est Dieu qui le dit, hein? Dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous honorons l'homme de Dieu qui vient, nous honorons le Dieu qu'il a envoyé et nous honorons l'onction qu'il porte. Alléluia. Amen. Lorsque nous vous acclamons le Seigneur, alors que nous recevons le prophète, c'est une wonder. Qu'il y ait une nouvelle onction sur ma vie. Que je sois marqué et touché au nom de Jésus. Seigneur, élève. Le niveau de ta grâce pour moi. Au nom suprême de Jésus. Commençons à prier. Que tu viennes encore, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, relâcher quelque chose, Seigneur, en ce lieu. Rendons le même hôtel, tous ensemble. Et c'est là que nous sommes en tant qu'adorateurs. Nous voulons célébrer notre Dieu, élever Jésus. Rendre gloire à Dieu. Y a-t-il des adorateurs dans cette salle? Amen. Qui
qui peuvent célébrer notre Dieu. Élevez Jésus, glorifions-le, élevons-le. Laisse un cœur sincère s'exprimer ce matin. Faisons-le, faisons-le. Que nos prières soient comme de la fumée qui monte. La Bible dit qu'il y a les 24 vieillards dans le ciel qui jettent leur couronne, qui se prosternent. Ils nous disent qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Nous voulons adorer Jésus, nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer. Seigneur, nous t'adorons, notre Dieu. Nous te célébrons. Nous te célébrons, notre Dieu. Reconnaissons, Seigneur, qu'en ce lieu, il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est toi. Mon Dieu, mon roi. Reconnaissons qu'en ce lieu, Seigneur Dieu, nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Papa. Toi qui assis sur ton trône de gloire, nous te célébrons, nous te célébrons, Jésus, celui que nous voulons élever, mon roi, nous te célébrons, Papa, nous te célébrons, Jésus. Le seul qui mérite d'être élevé, nous te célébrons, Père, nous te célébrons, Jésus. Le seul qui mérite d'être exalté et d'être acclamé, nous te célébrons, Papa, celui qui mérite d'être magnifique, nous te célébrons, celui qui mérite d'être. Oh, il y a des adorateurs, il y a-t-il des adorateurs? Élève la voix, continue, élève la voix. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi qui a reçu élève le nom de tout nom? Qui est comme toi qui est le roi des rois, élève le la Seigneur voix, élève le la Seigneur? Voix, élève la voix. Qui est comme toi qui mérite la louange, l'adoration de ton peuple, Seigneur? Ah, tu es le roi des rois, fais monter notre louange, Seigneur, ce matin. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, notre Dieu, nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Papa. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Père.
tout, Seigneur. Tu mérites le meilleur. Tu es au-delà de la mort, notre Dieu. Seigneur, c'est un grand privilège d'être marché à toi, Seigneur. Comment adorer Jésus, le maître des temps et des circonstances. Nous voulons adorer Jésus, l'auteur de la parole, le maître de la parole. Seigneur, nous te célébrons, notre Dieu. Nous te lèvons ce jour. Que ton nom soit élevé, comme il est déjà, Seigneur. Tu as le nom le plus puissant de la terre. L'être suprême, le maître incontesté de l'univers. Et nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons être des adorateurs, avoir la parole pour toi, notre Dieu. Et te traduit, Seigneur, parce que tu es Jésus. Vivant et puissant, tu es grand, élevé, honoré, tu es notre Dieu. Le règne est à toi, la puissance est à toi, c'est au ciel des siècles, Seigneur. Et nous voulons, éternel Dieu, dis Hosanna à toi, dis Amen à tes paroles, parce que tes paroles sont vies et Amen. Seigneur, nous voulons te célébrer. Y a-t-il des hommes, on peut célébrer notre Dieu, célébrer Jésus. Mettons-nous ensemble, Jésus est très bien. Célébrons-le, célébrons Jésus. Il mérite tout, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite l'élévation. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Écoutez, Jésus, il est plus réel que le vêtement que vous portez. Vous le savez? Amen. Il est plus réel même que le sang qui circule dans nos veines. Il est plus réel que tout. Amen. Plus réel que tout. Amen. Si vous voulez le comprendre, écoutez, notre esprit va s'élargir, va s'exploser. La Bible dit, il fait du ciel son trône et de la terre l'escabeau de ses pieds. Regardez un peu. Essayez souvent, essayez de faire une image dans votre esprit. Vous allez voir comment Dieu il est. Il est puissant. Une fois, Jean a eu une vision ouverte dans laquelle il a vu cet homme. Il dit, j'ai vu un homme qui était monté sur un cheval. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ses yeux étaient comme deux colonnes de feu. De sa bouche sortait une des deux flamboyantes. Ses vêtements avaient la couleur, n'est-ce pas, du sang. Et ses genoux étaient comme de l'air poli. Il était monté sur un cheval fort et puissant. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le conquérant des nations. Il est le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu puissant des armées célestes. Nous sommes connectés à un Dieu extraordinaire. Et souvent tu dois t'asseoir et comprendre que c'est un privilège pour toi d'être attaché à lui. Il y a plusieurs qui ne le comprennent pas. Mais je vous apprends ce matin, c'est un privilège d'être connecté à lui. Amen. Le maître de l'univers, celui qui se suffit par lui-même. Yes. Écoutez-moi très bien. C'est une grâce. Nous avons un Dieu formidable et puissant. Écoutez, une fois, je pense que ça doit être dans l'Ancien Testament, lorsque on a pris l'arche qui était dans une caisse, et les hommes ont vu la caisse qui était petite, mais qui a été banalisée. Et on a posé cette caisse-là devant le dieu Dagon, qui était le dieu des Philistins. Caïa, comme sa grande statue. Mais le lendemain matin, quand ils sont arrivés, ils ont vu la statue, n'est-ce pas, qui a fléchi Jéro, mais pliée devant la caisse. Petite caisse, mais avec un grand Dieu. Amen. C'est comme le combat de David et Goliath, disproportionnel, mais transportant toute la matière, toute l'énergie divine. Amen. Écoutez, il est ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de lui flatter la tête pour qu'il dise qu'il est Dieu. Il est Dieu dans son être, il est Dieu dans son essence, dans sa manière de faire, il est Dieu. Amen, c'est quand vous touchez un lion, vous lui dites de pousser son cri, on s'attend à ce qu'il a, il aboie. Il ne va pas aboyer, le lion va rugir. Yes. Notre Dieu reste ce qu'il est. Amen. Et écoutez, dans ses manifestations, il est extraordinaire. Le nom le plus puissant de la terre, la qualité en amour, la qualité, n'est-ce pas, dans ses gestes, qualité en tout, qualité en tout. Ne dit-elle pas que c'est de lui que viennent les dons excellents? Écoutez, je me souviens encore lorsque Éphésiens le chapitre 1 dit, il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il a toutes les bénédictions, il a toutes les grâces, il a tout. Voulez-vous les grâces, les bénédictions, les dons excellents? Écoutez, mais écoutez, c'est l'être indiqué pour, n'est-ce pas, pour recevoir la grâce qu'on veut. Il est suprême. Il peut soulever ce bâtiment-là avec le petit doigt. Qu'est-ce que je dis? Avec le bout du petit doigt. Qu'est-ce que je dis? Avec son souffle. Qu'est-ce que je dis? Il peut soulever des gestes. Il peut balayer tout. Il gère tout. Même le diable qui a voulu être son égal ne pourra jamais se comparer au seuil de sa gloire. Il reste vivant, il reste Dieu. Et c'est souvent imprenable pour les chrétiens qui ne réalisent pas à qui ils sont connectés. À qui ils sont connectés. À qui ils sont connectés. Parce qu'il y a Dieu qui est partout à la fois. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois, il a toute la puissance. Je respecte la puissance du diable, mais notre Dieu, il est tout puissant. Il gère tout. Il gère les puissances, les pouvoirs, il gère tout. Il gère tout. Il gère tout.
il est le maître de la parole, il est le maître de la parole, il maîtrise la parole, il maîtrise la science, il maîtrise l'histoire, il maîtrise la géographie, il maîtrise tout. Je me souviens, à Jean le chapitre 7, verset 46, on envoie des gens pour aller attraper Jésus de Nazareth, l'homme Dieu sur la terre. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude. On envoie des gens pour aller attraper Jésus. Jésus donne un discours extraordinaire, une prédication formidable. Les gens se reviennent, on dit, mais où est-ce qu'il est? Les gens disent, non, jamais, on n'a pas lu comme ce toi. Je respecte le maître de la parole. La Bible dit qu'il est la base du mouvement et de l'être. Nous nous devons tout, nous nous devons notre inspiration. Nous nous devons tout, tout et tout. Les amis, vous devez tout à qui? Si vous pensez que vous devez tout au Dieu créateur des cieux et de la terre, il mérite célébration, il mérite adoration, il mérite respect, il mérite toutes choses. Il mérite toutes choses. Y a-t-il des hommes et des femmes qui peuvent célébrer Jésus de Nazareth? Pousse des coups de joie pour lui. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose. Vous devez savoir que quand vous êtes des hommes du ciel, vous transportez l'atmosphère du ciel. Amen. Et je prie que Dieu suscite des hommes du ciel, des hommes qui sont habitués au ciel. Amen. Habitués, n'est-ce pas? Transportez l'atmosphère. Transportez l'atmosphère. C'est pour ça que lorsque Isaac bénit Jacob, il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chat que tu as béni. Une nouvelle atmosphère, une atmosphère mauvaise, il se saisit de toi. Une nouvelle atmosphère. Tu arrives quelque part dans ton service, tu sens qu'il y a un mouvement de Dieu. Il y a une atmosphère qui se dégage. C'est comme Joseph dans la maison de Potiphar. Il y a une atmosphère qui arrive automatiquement. Nous sommes des hommes d'atmosphère. Transportez l'atmosphère qui contient la matière de Dieu. Téléchargez de la grâce de Dieu. Des hommes d'atmosphère. Transportant le ciel. Que Dieu suscite ses hommes. C'est comme Élie lorsqu'il dit, je suis le seul prophète. Oh, le Abdias lui dit, non, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 qui sont des hommes du ciel aussi, mais qui n'ont pas accepté de fléchir les genoux devant Jézabel, devant Akab, mais qui sont gardés plus. Que Dieu suscite des 7000, des hommes transporteurs d'atmosphère, qui savent poser le règne de Dieu, imposer la chose de Dieu, imposer la chose de Dieu. Tu joueras au piano, mais tu sens qu'il y a une atmosphère qui part. Tu joueras la batterie, la guitare, tu sentiras qu'il y a une atmosphère. Assis au bureau, il y a une atmosphère. Je parle d'atmosphère. Ragaté la peau, il est regata. A la devo, sogati, il départ. Il a gâteau, logate. Il n'a maïa na cantele pacatela. Il te lèbre, sogati. Il n'a maïa na qui, il départ. Il est cité, il décode. Il te prie de part, il est labo. La gâteau, les gâté. Il n'a pas la carte de basso cata. Il t'a la peau. Il te prie de pas, il te la, il te cite, il te code. Il te dit, mouse, get it out, and kill me, l'eau, ça qui te prie. Il t'a la peau. Il t'a la peau. Il t'a la peau. Il t'a la peau. Excuse pour ce retard, tout
mes excuses. Si vous dites on arrête maintenant, on arrête, d'accord? Est-ce que je suis excusé? Amen. Amen. À moitié ou totalement? Totalement. Maman, je suis excusé à moitié, mais totalement. Totalement. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une joie pour moi d'être là ce matin. Et je veux célébrer Dieu pour ne pas être la maison. Généralement, les gens ne réalisent pas combien de fois ils sont bénis d'avoir un bon berger. Oh ouais. D'avoir un bon berger. Et souvent, je le dis, quand je fais des formations pour les ouvriers, pour les écoles, l'école de nuit, je dis, si quand vous voyez un homme de Dieu étranger à votre papa, si vous vous abaissez, quand vous allez voir votre papa coucher, Amen. C'est le meilleur prédicateur, le meilleur enseignant, la meilleure onction. Mieux dans tout, plus que qui que ce soit. Amen. Et ça, nous devons garder ça dans notre esprit. Généralement, les gens ont la mauvaise manière. Ils apprécient beaucoup dehors, mais à la maison, ils l'apprécient. Je répète encore. Les gens souvent ont la mauvaise manière. Si moi, c'est arrivé ici, si vous me respectez, quand vous me voyez, vous me mettez à genoux. Quand vous voyez le bishop Morgan, couchez-vous. Amen. André, c'est pas bien entré encore. Je répète. Moi. Vérité, papa. Bon, oui, si vous me voyez, que vous me mettez à genoux, vous dites, comme dit mon papa, on arrive et tout. Quand vous voyez votre papa, quand il arrive, vous voulez le saluer, c'est que vous couchez ou pas, vous épiez. Amen, amen, amen. Un double honneur, qui que ce soit sur yes. La terre. Yes. Oui. Parce que c'est nous qui rendons compte à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Amen. Vous êtes tous ces ailes comme ça, sous sa couverture. Amen. Et souvent, les gens ignorent les lois spirituelles. Si vous savez que notre Dieu a failli tuer Moïse, son épouse a pris une pierre tranchante, elle a coupé le prépuce du sexe de l'enfant, et l'a déposé. Dieu l'a laissé. Dieu, pour papa, pour faire du juste mon gars. Je veux qu'on célèbre Dieu. Aidez-moi à honorer ce grand homme de Dieu. C'est l'oubli, les gens oublient. J'oublie que hier, il y a eu telle chose. Il y a des gens, l'église a célébré un mariage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. L'église a célébré un mariage. L'église a été bien. Pendant que peut-être avait un bobo, l'église était là, les a appelés, les a soutenus. Même si c'est un seul coup de fil d'église quand même à la fin. Demain, quand il y a tel truc, j'oublie tout. L'oubli tue, l'oubli détruit. C'est pour ça que Dieu dit au peuple d'Israël en Deutéronome chapitre 8, il dit, souviens-toi. Tu as été esclave. Quand tu seras dans le pays, quand tu mangeras, que tu rassasiras, souviens-toi. Amen. Amen. Je remercie. Garde le cœur que tu as. Amen. Garde le cœur que tu as. Moi, je préfère t'honorer à titre costume, pas à titre posthume. Amen, amen, ça, amen. Jésus a bavardé sur. Et ça, je vous partage les folies de méditation avant de prêcher. Il a bavardé sur Judas Iscariot. Quand elle est venue, elle a vu le protocole. Elle s'est mise là devant Jésus. Elle a commencé à verser le parfum de nard. Voici une prostituée qui était très intelligente. Hein. Moi, j'aime là où l'esprit travaille. Son parfum sentait bon. Quand elle a mis, quand il y a un client qui vient, mais quand tu rentres, tu n'as rien fait encore, tu sens, tu dis, voilà, je reviens ici. Elle a pris ça, elle a mis ça sur Jésus. Le Judas dit, mais ça, on peut vendre ça. Jésus dit, quand même, vous avez les pauvres toujours avec vous. Cette femme-là, elle m'a honoré pendant que je vis. Elle m'a honoré les gens pendant après le mort. Amen, amen.
honorer la première dame, la first lady de la maison. Maman Moga, toujours souriante, innocente. La paix, la joie, la tranquillité. Elle a toujours une sereine, non? Sans que y ait quelque chose qui va, sans qu'elle transporte quelque chose. Merci maman, merci beaucoup. Il faut prier pour que le ministère aille partout. Votre papa a un grand message, il a une grande prédication, une grande option. C'est pas pour ici. C'est pour, je ne sais pas pour, c'est pour l'Angleterre. C'est pour les États-Unis. C'est pour Amen. Il y a un symposium de l'église sainte chrétienne et rachetée. Tous les pasteurs viennent de partout. La convention internationale. Amen. Il n'y a pas de prophétesse Anne. Je pensais que c'était Anne. La prophétesse, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, je prends le nom, je célèbre Dieu pour l'homme de Dieu, la servante de Dieu et le prophète. Pourquoi je n'ai pas gardé le nom de plein de noms. Voilà, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec deux hommes de Dieu qui sont l'église sœur aussi à Torcy. Le prophète Toussaint. À l'église, d'accord, voilà. Je vais donner une prédication. Je ne donne pas un enseignement, mais je vais donner une prédication. Vous êtes là, non, vous êtes parti. On est là, vous êtes là. Ok, okay. Alors, bien avant, je vais recueillir les semences des enveloppes du vendredi. Vous les avez maintenant. Permettez que je prie avec vous, que ma mère les touche avant que je ne puisse vous suivre. Voilà, on peut venir avec. Venez avec. Venez vers le Père. Seigneur, merci. Qu'il y ait l'accomplissement. C'est une semence de faux accomplissement. Qu'il y ait un accomplissement divin. Un accomplissement divin. Un accomplissement divin pour nos suprêmes Jésus-Christ. Un accomplissement divin. Saluez-moi avec la semence. Un accomplissement divin au nom de Jésus-Christ. Un accomplissement divin par l'onction de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Un accomplissement divin au nom suprême de Jésus-Christ. Un accomplissement divin par l'onction de l'Esprit. Cela s'attache à vous. Un accomplissement divin au nom de Jésus-Christ. Un accomplissement divin par l'onction de l'Esprit. Il est l'accomplissement par l'onction de l'Esprit. Oh, il est l'accomplissement au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Au nom de Jésus. Y a-t-il des gens qui n'ont pas pu apporter? Ok, ok. Alors, tu vas diminuer juste un peu. Le sujet, c'est bon, ok. Il y en a qui vont. Une option. Par quatre. Ah, ok. Par quatre aussi, ok. Ouais. Par quatre, oui. Salut, mon amour. Merci pour l'onction. L'accomplissement divin au nom de Jésus. Merci, Père. L'onction d'accomplissement par l'onction de l'Esprit au nom de Jésus. Merci. Merci pour l'onction. L'onction de Jésus. L'onction d'accomplissement. Alors, je vous ai dit, pour ceux qui étaient là le vendredi, mon sujet, ça n'est pas aujourd'hui. Et voilà, vous oubliez, vous êtes. Hein? Qui le fait? Qu'est-ce que je donne? Si vous le trouvez, je vous donne ma Bible. Même moi? Hein? La même quatrième personne. J'ai trouvé. Ah, hein, moi, non. Toi, et maman, ne parle pas. Hein? Oh, je vous ai dit, je fais comme à l'église. Moi, à l'église, quand je prêche. Je répète la question, elle n'a pas compris. Il y en a un qui a tombé. Ah, ok. Bon, je reviens quand même. Je n'ai pas entendu, mais je reviens. À l'église, quand je prêchais le mercredi, le vendredi, je posais des questions là-bas. Parce que l'église, c'est une école. Pourquoi
voir si les gens ont assimilé. Et donc je fais même un retour de ce qui a été dit avant même de poursuivre. Et c'est pareil, amen, le dimanche je prêche, je fais un retour encore. Donc il m'arrive de traiter des sujets sur 4 mois. C'est une course de fond. Donc, je prends mon temps. Amen. Ce qui fait grandir l'église, c'est le niveau d'enseignement. Grandir l'église. Amen. Ça veut que chacun est assis. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et de l'enseignement, n'est-ce pas, les sadducéens, tout ce qui était autour, parce qu'il y avait beaucoup de courant en son temps. Et Jésus leur demandait de se méfier de tout ça. Et en d'autres termes, de se concentrer sur son enseignement. Amen. Et ça, il tient à vous encourager. Connectez-vous, d'accord? Vous êtes là, vous êtes parti. On est là. Ok, ok. Alors, mon sujet, c'est quoi? Le quatrième. Ah. Donc, tu veux la Bible? Il n'a pas la Bible physique, il a l'iPad. T'es sûr? Ah. Ok. Il n'y a pas de souci. On s'attrape. Amen. Moi, je suis un amoureux du niveau de la parole. Amen. Au niveau des révélations de la parole, je crois fortement à la parole de Dieu. Amen. Je crois fortement à la parole de Dieu. Mon nom c'est Wonder. Dans ma langue maternelle, ça veut dire affaire de bouche. Ouais. Donc quelqu'un lui a donné ça, quelqu'un dit ah, on va prendre. Pourquoi tu parles pas là? Mais bon, je dis que c'est Dieu qui fait parce que toute inspiration vient de Dieu. Amen. D'accord. Et puis en anglais maintenant, c'est Wonder qui est merveille. Et tout ça, d'accord. Alors, est-ce qu'on est prêt? Amen. Amen. Mon sujet, c'est le quatrième, d'accord. Amen. Mon sujet, c'est le quatrième. Tout ce que je veux dire, vous allez comprendre qu'il y a le quatrième qui va aller sortir. Tout ce que je veux dire, on va lire ensemble en Jean le chapitre 11. Commencez par le verset 32 jusqu'au verset 44. Jean le chapitre 11, verset 32 au verset 44. Si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez l'enregistrer. Ça va nous faire du bien. Ça va. Super, ok. Le quatrième. Jean le chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 44. On va ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Okay. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, mm-hmm. et qu'elle le vit, mm-hmm. elle tomba à ses pieds et lui dit, mm-hmm. Seigneur, mm-hmm. si tu eusses été ici, mm-hmm. mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. » afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Seigneur, merci. Laisse la révélation attachée couler au nom de Jésus-Christ. Transporte-nous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que cette grâce être notre partage. Je vous dis que la révélation est claire. Te donne, Seigneur Père, de la sagesse au sein.
laissez bien grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et tu lui dis, Seigneur, juste une phrase, juste un mot, Seigneur, pour amener quelqu'un à faire un pas vers la voie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez bien grâce. Amen. Amen. Alors, mon sujet, vous asseoir, s'il vous plaît. Mon sujet, c'est le quatrième. Mon thème, c'est le quatrième. Alors, cette histoire que nous venons de lire, je donne rapidement une parenthèse avant d'enlever le sujet. Je vous dis, il y a eu un décès d'un ami de Jésus. Je rappelle que Jésus était ami à Lazare, chose que vous savez, ami à Lazare. Et Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et la Bible dit qu'ils étaient à 3 km de Jérusalem, c'était Bethanie. Et alors, chaque fois, c'était pour Jésus un lieu de retraite, un lieu dans lequel Jésus allait généralement se reposer. Et c'était les amis de Jésus. D'accord? Les théologiens disent que ils ont grandi avec Jésus. Lazare, Marie et Marthe. D'accord? Alors, la particularité, c'est quoi? C'est que les deux sœurs avaient une relation différente avec Jésus. Alors, j'ouvre une parenthèse, je veux interpeller quelqu'un. Et c'est deux sortes d'intimité. Il y a l'intimité Marie et l'intimité Marthe. Oui. Donc, la première, quand Jésus arrive sur le site, c'est Marthe qui croit Jésus. Et elle dit les mêmes paroles qu'après Marie avait dit. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, tout ça. Mais Jésus n'est pas allé à la tombe. D'accord? Et elle va appeler discrètement sa soeur Marie. Quand Marie arrive, elle répète la même parole, Jésus va à la tombe. C'est deux sortes d'intimité, deux sortes de relations avec Dieu. La relation Marie, la relation Marthe. Les deux parlent à Jésus, mais n'ont pas les mêmes réactions. N'ont pas le même retour. D'accord? Amen. Alors, moi, je vous encourage à avoir des relations, des réactions, je veux dire, des intimités Marie, qui savent parler à Jésus, qui savent interpeller Jésus, Amen. Qui savent, qui ont le tact vis-à-vis de Jésus, qui ont la manière vis-à-vis de Jésus. D'accord? Bref, écoutez, n'empêche que l'histoire est tragique. Voici l'ami de Jésus qui meurt. Quand on vient annoncer à Jésus, Jésus ne part pas. D'accord? Il est quelque part dans une tournée, dans une croisade, il ne part pas. Le jour où il décide de partir, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré, pas 4 jours qu'il est mort. Généralement, les gens se trompent pour dire 4 jours Lazare est mort. Non, non, non. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. D'accord? L'histoire rapporte que les Juifs, quand quelqu'un meurt, il y a son esprit qui roule pendant 2 jours. Mm-hmm. Pendant 2 jours. Ouais. D'accord? Donc, Jésus, même là, il a défié toute cette loi-là. Il n'est pas parti. Il ne faut pas qu'on dise quand il va arriver, oh, son esprit rôdait un peu. Donc, le monsieur a peur de revenir en lui. Non, Jésus n'est pas parti. Il n'est pas venu aussi, ni le troisième jour. Et c'est au quatrième jour de son enterrement. Donc, je ne sais pas combien de temps il a fait. On embaume le corps, on fasse les funérailles, tout ça. Parce que les gens aussi qui aimaient les funérailles, eux, ils prennent. Quand vous les voyez pleurer, les pleureuses, ça c'est pas né en Afrique, c'est né chez eux là-bas. Ah, ils disaient la Bible, il y a des gens qui étaient les femmes, ouais, qui étaient les pleureuses. Ouais. Souvent on accuse les noirs, non, nous on a commencé ici, on va pas commencer ça. Ouais, souvent quand la Bible a validé quelque chose, c'est la vérité. Souvent quand la Bible dit que quelqu'un est pauvre, c'est qu'il est vraiment pauvre. Quand c'est validé, d'accord, par la Bible. Alors écoutez-moi. Donc ça fait 4 jours. Quand Jésus arrive, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, qu'il a été enterré. 4 jours. D'accord? Alors, Jésus est devant sur le site. Et la sœur Marthe, pardon, Marie, elle dit, voici où est-ce qu'on l'a mis. Il est enterré, voici où est-ce qu'on l'a mis. Quand Jésus arrive devant la tombe, d'accord, il y a une grotte qui est là. Dans le temps, une grotte qui est devant une tombe, c'est un signe pour dire que c'est un lieu qui est occupé par un cadavre. Mm-hmm. C'est un message. C'est pour ça, Jésus, quand il est ressuscité, la pierre a été ôtée. Alors, donc Lazare, il est dans la tombe. Mais je rappelle aussi que Lazare, dans l'ancienneté par rapport à la mort et à la résurrection, Lazare a battu le record. Jésus même a fait 3 jours, Lazare il a fait 4 jours. De tous les cas de résurrection, Lazare il a battu le record. Yes, yes. D'accord? Ouais, bro. Donc voici un gars qui a battu le record de l'ancienneté dans la mort par rapport à la résurrection. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Jésus arrive sur le site. Il dit aux gens qui étaient là, il dit enlevez la pierre. Je vous fais une révélation. Pourquoi Jésus dit ça? Il dit ça parce qu'il savait que les hommes pouvaient le faire. Ils avaient les moyens physiques pour enlever la pierre. D'accord? Mais quand ils enlèvent la pierre, Jésus est seul devant la tombe et il dit Lazare sort. Tout ce que je dis, c'est une parenthèse, ce n'est pas mon introduction. Pourquoi? Voici Jésus qui dit Lazare sort. Pour un homme physique, un cadavre ne peut pas entendre. Mais pour un homme spirituel et surnaturel, le cadavre peut entendre. Amen. Donc Jésus dit Lazare sort. Et puis Lazare sort de la tombe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est la voix qui est partie dans la tombe. Je me suis souvenu aussi d'une parole de la Bible qui dit, le Seigneur dit une parole
et les messagers de bonne nouvelle sont une armée. Les messagers sont les anges. Et donc, dans la voix de Jésus qui est parti, derrière cette voix-là, il y avait les neurologues, les anges neurologues chargés de traiter les nerfs, les os, la chair, tout ça. Les anges qui travaillent au niveau de la cardiologie, qui peuvent, n'est-ce pas, toucher le cœur, pomper le cœur. Qui était derrière, c'est la voix qui est partie, mais derrière la voix, il y avait des anges qui étaient derrière, il y avait un mouvement génétique. Et tout d'un coup, il y a un mouvement dans la tombe, et Lazare sort. Mais écoutez, ça s'est produit le quatrième jour. Écoutez, le quatrième, c'est l'image d'un homme que Dieu va envoyer dans ta vie. Le quatrième, c'est l'image d'une saison qui va se lever. Comme aussi, on est dans la période de la Pâque, donc l'inspiration est claire, on est dans une période de la Pâque, donc le quatrième, c'est une période que Dieu va susciter, une saison que Dieu va lever. C'est quelqu'un, c'est un homme, c'est quelqu'un qui va arriver dans ta vie, qui va créer un bouleversement. C'est un temps que Dieu va commencer. Le quatrième est une saison, le quatrième est une atmosphère qui va commencer. Le quatrième est un jour que Dieu va envoyer. Le quatrième, n'est-ce pas, est une atmosphère que Dieu va relâcher. C'est un homme, c'est une femme, c'est une saison, c'est un jour, c'est quelque chose que Dieu va envoyer. Alors, la résurrection se produit pas au premier jour, pas au deuxième jour, pas au troisième jour, mais au quatrième jour. Le quatrième, c'est la saison du surnaturel. Quand le surnaturel devient ton naturel. C'est ce qu'on appelle l'épikaïso. C'est quand le naturel, ou encore le surnaturel rencontre le naturel. Ça crée un Big Bang qui est épikaïso. Je parle du quatrième. Le quatrième, c'est une saison que Dieu va envoyer. C'est quelque chose que Dieu va lever. C'est une action qui va commencer. Je parle du quatrième. La résurrection n'a pas eu le premier jour, elle a eu le quatrième jour. Le quatrième jour, quand Lazare a été enterré, la science dit le corps après deux jours. Et quand il entrait à achever les deux jours, il entrait dans une phase de décomposition. Mais écoutez, quatre jours, la décomposition était avancée. Donc il fallait l'atmosphère du quatrième pour briser les lois de la pesanteur, la nature, la science, de tout ce qui est établi, pour ramener ce homme à la vie. C'était au quatrième jour. Le quatrième jour, c'est le jour de la résurrection. Le jour où Dieu te lève, où Dieu te prend, il te fait sortir, n'est-ce pas, du néant pour te mettre à la table des grands. Je parle du quatrième. Je dis quoi? Le quatrième. Je dis quoi? Je ne suis pas au bon endroit, André. Je dis quoi? Le quatrième. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Mesdames et messieurs, la prédication, c'est comme une chanson. La chanson, n'est-ce pas, il y a le refrain. Il y a aussi le corps de la chanson, mais il y a aussi le refrain. Je parlerai, mais je reviendrai sur mon refrain. Et le quatrième. Mesdames et messieurs, je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Le quatrième, c'est une saison que Dieu va annoncer. Le quatrième, c'est une période nouvelle qui va commencer. Le quatrième, c'est un homme qui va arriver vers toi. Le quatrième, n'est-ce pas, c'est une nouvelle saison, une nouvelle période. Je parle du quatrième. La résurrection se produit au quatrième jour. J'appelle un autre témoin, j'avance. Écoutez-moi très bien. La Bible dit en Genèse chapitre 1, verset 14, verset 18, 19. Dieu crée, n'est-ce pas, les luminaires. Il crée le soleil pour être le patron du jour. Il crée la lune pour être la patronne de la nuit. D'accord? Il crée aussi les étoiles. Oh, je ne suis pas, n'est-ce pas, un astrologue, mais tu m'as fait la grâce, n'est-ce pas, de percer un peu le mystère attaché à cette pension. C'est ce que je veux partager avec vous. D'accord? Écoutez. Le soleil est patron de l'âge du jour, la lune patron de la nuit, aussi les étoiles. Et la Bible dit, ils ont pour rôle, n'est-ce pas, de marquer les temps et les saisons. D'accord? Mais ce que je n'ai pas compris, la Bible dit quoi? La Bible dit, au terme de la création, il dit, il y eut un jour, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le quatrième jour. Yes. Mais alors, comment Dieu a déterminé les trois premiers, pour savoir qu'il y a eu un jour, il y a eu une nuit. Et puis c'est au quatrième, il crée ceux qui vont marquer le jour et la nuit. C'est ça. Oh. C'est ça. Explique ça, explique ça. C'est ça. Bon, vous n'êtes pas là, j'arrive. On est là. Si j'étais aux États-Unis, quelqu'un dit, Gate, allez, go on. Yeah. Il a du son de mon corps. Hey. Mais c'est le quatrième. Maintenant, la parenthèse est telle que le soleil est le patron du jour. La lune est le patron de la nuit. Écoutez-moi très bien. De sorte que dans la vie active, il y a un soleil dans toutes les institutions, dans toutes les juridictions. Il y a un soleil. Dans tout, il y a un soleil, il y a une lune et il y a les étoiles. À l'église, le soleil, c'est le pasteur. La lune, c'est le conseiller, les différents responsables. Les étoiles, c'est tout le peuple. D'accord? Dans un pays, le soleil, c'est le président. D'accord? Le soleil, la lune, c'est le ministre, tous ceux qui gèrent les institutions. Les étoiles, c'est le reste du peuple.
Partout, c'est ici, d'accord? De sorte que quand le soleil ou encore la lune peut régner à la place du soleil, ça crée quoi? Ça crée ce qu'on appelle l'éclipse. Quand le soleil, n'est-ce pas, veut régner là, ça crée l'éclipse. L'éclipse, il y a dysfonctionnement, d'accord? Pourquoi? Parce que les saisons ont été faites ici. Mais tout cela a été créé à partir du quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu a créé ce qui va marquer les temps et les saisons, les époques, ce qui va déterminer les jours. Je parle du quatrième. Le quatrième, c'est une action que Dieu va faire pour que tu sois quelqu'un de distingué, de distinguable. Son temps et sa saison. Le quatrième, n'est-ce pas, c'est le jour où des hommes sortent. Des hommes du quatrième sont les hommes qui marquent leur période, qui marquent leur époque, qui marquent leur saison. Ils sont un signe et un général, un signe et un aspect extraordinaire pour leur génération. Ils sont, n'est-ce pas, un signe pour leur génération. Je parle du quatrième. Oh, pendant que je lève ma main prophétique, que Dieu suscite les hommes du quatrième. Des hommes du quatrième. Si tu m'as dit amen, très bien. Suscite les femmes du quatrième, suscite les serviteurs du quatrième, des hommes qui vont marquer leur saison, marquer leur époque, qui vont être un signe, un présage pour leur génération. Je parle du quatrième. C'est pour cela que Jésus aussi était un homme du quatrième. La Bible le présente, n'est-ce pas, comme l'étoile brillante du matin. Mais écoutez, la seule étoile qui brille le matin, c'est le soleil. Parce qu'aucune étoile. Et c'est pour cela aussi la Bible dit qu'il est le soleil de justice. Il est le soleil de justice. Et quand il rentre à Jérusalem, il ne rentre pas, n'est-ce pas, comme un soleil, une lune. Il rentre comme une étoile. Et les gens s'étaient épatés. Mais il y a un message extraordinaire. J'ouvre une parenthèse et je vous annonce. Est-ce que vous êtes là? Amen. Viens avec moi, prophète Paul. Prophète Paul. Écoutez, donc Jésus rentre comme une étoile. Quand les mages voient, ils vont voir Hérode. Hérode, sur le plan religieux, pardon, politique, qui était le soleil. Il dit, mais on est venu voir quelqu'un qui est arrivé. Je suis le soleil. Donc c'est moi que nous voyons. Non. On a vu une étoile qui a brillé. Et une étoile qui a brillé. Comment une étoile peut briller dans la présence d'un soleil? Mais Jésus est venu défier tout parce que Jésus c'était un homme du quatrième. Les hommes du quatrième sont aussi, n'est-ce pas, les hommes de la confusion. Ils sont les hommes de la confusion. Les hommes qui créent la confusion partout. Ils sont aussi, n'est-ce pas, comme les Joseph. Joseph était, n'est-ce pas, le 11e enfant. Mais quand j'ai lu le chapitre 37, on dit voici l'histoire de Jacob. On commence à la ligne par Joseph. Les hommes du 11e sont aussi les hommes du 4e, les hommes, n'est-ce pas, de la confusion. Ils créent la confusion partout où ils sont. Je prie ce matin à Martin ma prédication. Que ma prédication aille au ciel, dans l'atmosphère de la vie de quelqu'un. Et que Dieu te suscite comme un homme du 4e, l'homme de la confusion. L'homme, n'est-ce pas, qui va dessiner un présent pour ta génération. Les hommes, n'est-ce pas, qui vont marquer les temps et les saisons. Les hommes, n'est-ce pas, qui vont bouleverser tout. Si tu t'es levé pour faire un pas vers l'avant, tu mets le pied, n'est-ce pas, à la grâce qui arrive pour toi. Tu fais un deuxième pas. Tu mets le pied de la grâce. Les hommes du quatrième. Quelqu'un dit, je suis un homme du quatrième. Oh, dis-le très fort, je suis un homme du quatrième. Dis-le fort. Je parle du quatrième. Le quatrième, n'est-ce pas, qui est une saison. Amen. Le quatrième, qui est un homme que Dieu va envoyer. Amen. Le quatrième, n'est-ce pas, c'est comme une génération que Dieu va lever. Amen. Je parle du quatrième. Amen. Un jour, Jacob, inspiré par Dieu, il sentait que sa mort était proche. Et ça, c'est en Genèse, le chapitre 49. Il appelle tous ses fils. Il dit, mettez-vous ici. Je vais vous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Je vais vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il regarde Ruben. Il dit, Ruben, tu es le fruit de ma vigueur. Tu es ma force. Le fruit de ma jeunesse. Mais tu n'auras pas la première place. Parce que tu as soulevé la couche de ton père. Il prend Siméon et Lévi. Siméon était le deuxième. Lévi était le troisième. Il dit, Siméon et Lévi, je n'aime pas votre colère. Je n'entre pas dans votre conciliabule. Dans votre colère, vous avez été méchant. Vous avez tué des hommes. Je n'entre pas là-bas. Et je ne conseille pas aux gens de s'associer à vous. Mais il arrive sur Judas. Judas est le quatrième. Il dit, Judas, Judas est comme un jeune lion. Tu recevras la félicitation de tes frères. Les frères se présentent devant toi. Judas est comme un jeune lion. Ta main, n'est-ce pas, sera sous la nuque de tes adversaires. Qui est un signe de domination. Il dit, Judas, le bâton et le spectre royal ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le signe. Écoutez-moi très bien. Sur le premier, il a parlé. Sur le deuxième, il a parlé. Et sur le troisième, il a parlé. Mais arrivé sur le quatrième, la nature de la déclaration prend une autre tournure, une autre forme. Je parle du quatrième. Les hommes du quatrième provoquent les atmosphères. Les hommes du quatrième créent une atmosphère où ça n'existe pas. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième.
Je parle du quatrième. Mesdames et messieurs, je parle de quoi? Je parle du quatrième. Du quatrième. Je parle du quatrième. Yes. Le quatrième, une saison que Dieu va lever. Des hommes, n'est-ce pas, distingués, distinguables. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Vous êtes là ou vous êtes parti? On est là. Pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas à la bonne place? Non, je suis en train de prêcher à 5 personnes. Non. Je suis en train de prêcher à 6 personnes. Je sens que c'est 3 personnes qui sont concernées. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Amen. Je parle du quatrième. Amen, amen. Je parle du quatrième. Amen. Je parle du quatrième. Tu dis le quatrième. Le quatrième. Dis-le encore une fois. Je suis le quatrième. Je suis le quatrième. Oh, tu l'as pas bien dit. Dis-le très fort. Je suis le quatrième. Je suis le quatrième. Un jour, il y avait un homme de la maison d'Isaïe, qui s'appelait Isaïe, la maison, n'est-ce pas, à Bethléem, qui s'appelait Isaïe. Cet homme-là avait beaucoup de fils. Et il a envoyé des fils, n'est-ce pas, au combat, à l'armée. Et un jour, il y a eu un homme qui s'appelait Goliath, qui est venu devant le peuple et il les a insultés 80 fois. Personne ne nous a parlé. Le gabarit, la taille, la forme de cet homme, sa voix était imposante. Il parle, personne ne peut parler. Il crie, personne ne peut crier. Tout le monde est transi de peur en entendant la voix et en voyant le gabarit de cet homme. Mais écoutez, Isaïe avait des fils au combat. Il avait Shama au combat. Il avait Eliab et il avait Abinadab qui étaient au combat. Mais pendant qu'il est assis, il y a quelque chose qui lui a dit, il faut envoyer, n'est-ce pas, David au combat. Il faut envoyer David pour aller donner du pain à ses frères. Il dit à David, va donner du pain. Va donner du pain à tes frères. Parce qu'il y a longtemps, ils sont au combat. Mais va leur donner du pain. Mais quand David arrive, David, mesdames et messieurs, était le quatrième fils d'Isaïe qui arrivait sur le site du combat. Il y avait le premier qui s'appelait Eliab, le deuxième qui s'appelait Abinadab et le troisième qui s'appelait Shama. Mais les trois n'ont pas pu apporter la délivrance. Mais il y a le quatrième qui est arrivé. C'est le quatrième homme sur le champ de bataille. Le quatrième homme avec le fils d'Isaïe qui est arrivé, frère. Mais écoutez-moi, frère. Il a transporté du pain. Il est parti avec du pain. Mais le pain avec lequel il est parti, c'était le pain de la délivrance. Écoutez-moi, frère. Le quatrième, ce sont les hommes qui apportent la délivrance et la liberté de leur famille. Ce sont les hommes qui apportent la libération de leur famille. Ce sont les hommes que Dieu utilise. Il y avait Abinadab, il y avait Eliab, il y avait Shama. Aucune délivrance. Mais quand le quatrième est arrivé, c'est pour cela, écoutez-moi. Quand il s'est proposé pour combattre Goliath, Saül l'a regardé, Saül dit, tu es un enfant. Derrière la réponse, j'ai trouvé que David était un peu impoli là. Il répond même pas à ce que ce vieux dit. Il dit, ton serviteur a tué des ours, il a tué un ours, il a tué un lion. En d'autres termes, le vieux, je ne me vois pas comme tu me vois là. Je me vois comme Dieu me voit. Je suis un tueur doux, un tueur de lion. Amen. Maintenant, la révélation est telle que la voix de Goliath faisait peur. La persévérance de Goliath, la ténacité de Goliath intimidait les gens. Écoutez-moi, le lion, sa voix intimide. Jusqu'à 7 km quand il rugit. C'était comparatif à la voix aussi de Goliath. Sa persévérance, il y a des ours très persévérants qui peuvent affronter le froid, affronter la faim. Pendant des temps et des temps, il a vu cet homme-là comme un lion et comme un ours. Il a dit, le vieux, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Écoutez-moi très bien. Sur le chemin, quand tu es un homme du quatrième, ne te vois pas comme les hommes te voient. Vois-toi comme Dieu te voit parce que Dieu te voit comme un homme du quatrième. Oui, les amis. Mais il était le quatrième sur le champ de bataille. Et c'est lui qui a tué Goliath. Les quatrièmes sont des hommes, n'est-ce pas, qui libèrent tout un pays. Amen. Qui libèrent toute une région. Amen. Qui libèrent toute une famille. Amen. Des hommes qui apportent la délivrance. Amen. Des hommes qui apportent la libération. Amen. Vous l'avez jamais vu. Moi, je suis un homme du quatrième. Pas moi et pas mon ministère. Toute ma famille a connu une délivrance extraordinaire. Amen. Et de quoi il parle? Je parle des hommes du quatrième. Qui transportent la délivrance. Amen. Puisse Dieu susciter les hommes du quatrième. Amen. Les hommes de la délivrance. Amen. Les hommes de la liberté. Les hommes qui apportent la liberté, qui apportent la délivrance. Les hommes de la délivrance. Les hommes de la liberté. Les hommes qui apportent la liberté et la délivrance. Que Dieu suscite des hommes de quatre mains.
Que Dieu suscite des hommes du quatrième. Qu'il suscite des hommes du quatrième. Je parle de quoi? Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. De quoi? Le quatrième. Un jour, il y a un prophète qui a prophétisé. Il a prophétisé devant le roi. Il dit, roi, le lendemain, à cette même heure, il aura de la nourriture à gogo. Il va avoir de la nourriture répandue partout. Et l'officier sur lequel le roi s'appuie a regardé le prophète pour lui dire, même s'il y a des fenêtres au ciel, pareil chose ne pourrait jamais se produire. Et le prophète, un prophète, têtu aussi, il a regardé le gars et dit, tu verras ça. Mais tu ne mangeras pas. Amen. Écoute-moi, je ne parle pas à toi, je parle à tes adversaires. Amen. Qui n'ont pas cru en toi, qui n'ont pas cru à ta parole. Amen. Qui n'ont pas cru à ce qui était attaché à toi. Ils verront ça, mais ils ne goûteront pas. Je dis quelque chose, il y a des adversaires que Dieu tue. Il y a d'autres que Dieu va garder en vie. Amen. C'est comme Somme le chapitre 23. Il dit aux yeux de mes adversaires, ils conduisent ma tête. Il y a des adversaires que Dieu va enlever, il y a d'autres que Dieu va garder. Tu sais pourquoi? Pour voir ce que tu vas devenir. Amen. Oui. Il dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. La prophétie a été libérée. Elle a voyagé. Elle cherchait, n'est-ce pas, une porte ou encore quelqu'un qu'il faut saisir. La prophétie est partie chez les soldats. Elle a trouvé que les soldats ne peuvent pas répondre. La prophétie a tourné. Elle est allée chez les conseillers du roi. Ça ne pouvait pas. Elle a tourné. Tout d'un coup, on a vu la prophétie sortir de la ville. Allez se promener. La prophétie a tourné. Il y avait des hommes qui étaient assis en dehors du camp. La Bible a compté 1, 2, 3 et 4. Ils étaient 4 lépreux assis dehors. J'aime la parole de Dieu. Écoutez, la prophétie est rentrée dans les 4. Vous savez, ils étaient assis comme ça. Et plus souvent, vous êtes là, vous dites, il y a quelque chose qui me dit de faire ça. Ça t'est pas arrivé, non? Donc, ils étaient assis. Et le premier a dit, il y a quelque chose qui me dit, on est quand même dans le camp. Il y a le deuxième qui dit, moi-même, j'ai senti ça aussi. Le troisième, moi-même, j'ai senti ça. Le quatrième, moi-même, j'ai senti ça. Les 4 se sont levés. Les 4 lèpreux. La prophétie est descendue dans les 4 lèpreux. Qui aurait cru que la délivrance de tout un pays viendrait par 4 lèpreux? Des hommes coupés de la société. Les hommes que la société a rejetés. Des hommes que la société a banalisés. À cause de leur état. Après toi, très bien. Je dis après toi, les hommes du 4e. Il va prendre les hommes du quatrième. Et la prophétie est rentrée dans les 4. La Bible déclare comment qu'il marchait. Écoutez-moi, voici des hommes banalisés. Ils ne pouvaient pas avoir des pas fermes. Mais c'était des pas frêles. Je pouvais voir les pas tremblants. Sans, n'est-ce pas, fierté. Sans, n'est-ce pas, je veux dire, de force. Mais qu'il marchait. Mais la Bible dit spirituellement, Dieu a rendu leur pas comme le bruit d'une grande armée. Et tout le royaume de la Syrie a fui. Ils sont arrivés dans le camp. Ils ont vu des vêtements qui étaient par terre. La nourriture qui était là. Il dit, bon, on mange d'abord. On se sert d'abord. On mange d'abord. Et tout d'un coup, on dit, non, on ne peut pas garder ça pour nous seuls. Les hommes du quatrième savent partager. Les hommes du quatrième savent relâcher. Les hommes du quatrième sont des sources de bénédiction. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Quelqu'un dit, je suis le quatrième. Je parle du quatrième. Et quand ils sont arrivés, écoutez-moi très bien, la Bible dit ce jour-là a été décrété comme un jour de bonne nouvelle. La prophétie a eu son accomplissement. Mais pas quatrième. Je dis quoi? Pas quatrième. Je parle du quatrième. Le quatrième. Même Jésus, il prêche, il finit de dire à ces gars-là, il dit, éloignez-vous un peu, j'arrive, je vais prier un peu, j'arrive. Et quand les gens s'éloignent, arrivé à un certain moment, Jésus marche sur les eaux. Quand
les gars ont regardé leur montre, la Bible dit que c'était la quatrième heure de la nuit. Le quatrième, c'est l'atmosphère du surnaturel. Yes. C'est là où le surnaturel, n'est-ce pas, est déployé. Je passe le quatrième. Le quatrième, là où une atmosphère étrange arrive. Je parle du quatrième. Le quatrième, c'est une saison que Dieu va lever. Amen. C'est un homme que Dieu va envoyer. Amen. C'est une femme que Dieu va relâcher. Amen. C'est une atmosphère que Dieu va créer. Amen. Je parle du quatrième. Amen. Je parle du quatrième. Vous êtes là ou vous n'êtes pas dit? On est là. Je parle du quatrième. Amen. Je parle du quatrième. Quatrième. Yes. Je parle. Quatrième. Oh, encouragez-moi, tiens. Quatrième. Je parle du quatrième. Commence. Le roi dressait une statue géante qui mesurait près de 30 mètres de haut. Uh-huh. Il a dit aux gens, il dit, écoutez, quand on sonne des instruments, tout le monde se prosterne. Et ils ont sonné la trompette. Écoutez, dans toute la foule, il y a eu des jeunes gens, ils étaient au nombre de 3 qui ne sont pas prosternés, n'est-ce pas, devant la statue. On les reprenait encore. Ils ont repris encore. Ils ont constaté que ces jeunes ne sont pas prosternés. On dit attrapez-les, chauffez la fournaise cette fois. Ceux même qui partaient étaient dans la fournaise, la Bible a été consumée. Mais on a jeté les jeunes dans la fournaise. On a déposé les jeunes dans la fournaise. Écoutez-moi très bien. Et le roi s'était assis, en train de siroter son vin. Oh, il disait au gars, il dit, mais regarde les gars, c'est trop extraordinaire. Il sirote son vin, il parle au conseiller, il dit, mais les gars, les jeunes c'est poli là, on ne comprend pas. Ils sont bizarres, on ne comprend pas. Il y a toujours quelque chose qui va te dire, regarde là-bas. Et tout d'un coup, quelque chose lui dit, regarde. Quand il a regardé dans la fournaise, il a vu déjà. Il a compté 1, 2, 3, 4. Il a compté encore 4, 3, 2, 1. Il dit, attends. Yo, conseiller, tant. Est-ce qu'on a, c'est pas 3 personnes qui ont acheté dans la fournaise? Mais pourquoi il y a 4 là-bas? Tu en as 4 compter encore. 1, 2, 3. On le prend. 4, 3, 2 et 1. Il dit peut-être on ne voit pas bien. Il a enlevé ses lunettes à déposer. Il regarde encore. Il dit mais les 3 c'est vrai. On les a jetés, c'était attaché. Mais d'où vient-il qu'ils ont les cordes ne sont plus à leurs mains, à leurs pieds. Et puis le 4ème là, il a le visage d'un fils de Dieu. Mais qui est le 4ème dans la fournaise? Qui est le 4ème dans la fournaise? Le 4ème dans la fournaise, c'est l'homme de Galilée. Le 4ème dans la fournaise, c'est le pâle brillant du matin. Le 4ème dans la fournaise, c'est le résultat de David. Le 4ème du matin, le 4ème dans la fournaise. Écoutez, c'est l'homme le plus puissant de la terre. C'est lui le 4ème dans la fournaise. Et c'est lui qui me dit, tu marcheras dans le feu. Le feu ne te consumera pas. Tu marcheras dans les eaux. Tu ne seras pas submergé. Je parle du 4ème. Le 4ème homme dans la fournaise. L'homme le plus puissant de la terre. Je parle du 4ème. On a intérêt à avoir le 4ème avec nous. Il comble, n'est-ce pas, le vide. Il pousse tous les trucs qu'il faut. Le 4ème rend, n'est-ce pas, froid tout ce qui est chaud. Il rend mou tout ce qui est dur. Il ouvre les portes là où tout est fermé. C'est pour cela nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un être vivant. Il dit lorsqu'il a ouvert, personne ne peut fermer. Lorsqu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Je parle de l'homme du 4ème. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. J'ai appris le mystère de domination de la nature. Je sais que le fer, il est puissant. Le fer, n'est-ce pas, il ronge. Le fer, il peut briser. Mais le fer face au feu, le feu fond le fer. Écoutez, le feu, il est puissant. Le feu, il est dangereux. Le feu, il dévaste. Mais le feu face à l'eau, l'eau éteint le feu. L'eau est puissante. L'eau est forte. L'eau, n'est-ce pas, engloutie. Mais l'eau, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, au soleil. Le soleil cesse l'eau. Le soleil, il est puissant. Le soleil, il brille à plus de 150 millions de kilomètres. Mais le soleil face aux nuages, les nuages étouffent le soleil. Les nuages sont puissantes, les nuages sont forts. Mais les nuages face au vent, le vent fait dissiper les nuages. Le vent il est puissant, le vent il est fort, le vent
vent il est fort, mais le vent face à la montagne résiste au vent. Les montagnes sont puissantes, les montagnes sont imposantes. Les montagnes face à l'intelligence humaine, l'homme a plané les montagnes. L'homme il est puissant, l'homme il est fort, mais l'homme face à la mort engloutit l'homme. La mort est puissante, la mort a des aiguillons, mais la mort face au quatre homme Jésus-Christ, il est je parle du quatrième. On gagnerait à être connecté au quatrième. Le quatrième qui te prend de nulle part pour te faire asseoir avec les grands. Le quatrième, c'est lui qui t'a envoyé dans ce pays. C'est lui qui t'a établi ici en ce lieu. Il va continuer de te faire monter. Je parle du quatrième qui donne un nom au sans-nom, qui donne un abri au sans-abri. Je parle du quatrième. Le quatrième qui élève, qui donne une position. Je parle du quatrième. Le quatrième de la fournaise ardente. Le quatrième homme, écoutez-moi très bien, il brise les chaînes. Il apporte la liberté et la délivrance. Il donne la richesse et la prospérité. Le quatrième homme, c'est l'homme le plus puissant de la terre. Le quatrième homme, il est le carrefour de toutes choses. Je parle du quatrième. Je parle du quatrième. Tends les mains, lève les mains vers le ciel et je veux que tu pries avec moi. Que ce culte Dieu l'utilisait pour créer une nouvelle atmosphère autour de toi. Et que Dieu fasse de toi l'homme et la femme du quatrième. Qu'il envoie une saison, mais la saison du quatrième. Dans laquelle il rend toutes choses faciles, dans laquelle il apporte la liberté, la délivrance, dans laquelle il y a une manifestation extraordinaire. Je veux entendre un cœur, mais soupirer après, n'est-ce pas, le prochain niveau, la prochaine étape. Vous dites, je reçois cette grâce ce matin. Je suis un homme du quatrième. Je reçois la grâce pour passer à la prochaine étape. Je reçois une nouvelle atmosphère. Mais Seigneur, utilise-moi pour libérer ma famille. Utilise-moi pour des signes extraordinaires. Utilise-moi pour une grâce particulière. Commençons à prier, s'il vous plaît. Commençons à prier. À quelques minutes avant que je termine. Yeah.
Vous êtes dans le ministère aussi.
d'être auprès de l'homme de Dieu. Nous voulons vous connaître la grâce. La grâce va venir. Comment va venir sur comment que la grâce va venir sur la prophétesse. Elle va venir sur toi. Dans la mienne qui est là. On va venir. On va une action. Viens là, ma fille, avec les cheveux blancs, la blonde. Viens, s'il te plaît. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, à cause de ce que je suis un serviteur de Dieu, pousse, quitte lui, s'il te plaît. À cause de ce que je suis un serviteur de Dieu, la pochette qui est là, la sueur qui est à l'intérieur. Généralement, la sueur vient quand on fournit les efforts. C'est ce qu'on sait. Que ce soit quand il fait chaud dans un environnement. Quand il ne fait pas chaud, quand on transpire, ça se voit que forcément on a fourni des efforts. C'est comme Jésus lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémani. Le jardin, c'est des grands arbres. Le vent, il est extraordinaire là-bas. Donc, ce n'était pas un endroit indiqué pour transpirer. Mais Jésus a transpiré. Sa sueur est devenue comme des pâtes de sang. Qu'est-ce qu'il faisait dans son moment de prière? Il avait beaucoup d'énergie. Il dit qu'on transpire quand on fournit souvent les efforts. Et la transpiration aussi. C'est l'énergie, la difficulté, là où on a piétiné. Maintenant que je donne cette pochette, à partir d'aujourd'hui, là où hier tu as piétiné, là où hier tu as senti que les choses étaient lourdes, les choses étaient difficiles, à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que je suis serviteur de Dieu, que les choses me soient rendues faciles. Tout ce qu'on fait avec, et puis prends la grâce, pour l'aider maintenant. Prends la grâce. Sans te trouver, moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Et il est le papa, et papa. Ce matin, je suis venu juste faire une déclaration. Bishop, on a un ami qui est à quelque part dans une ville en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé dans son église, il avait une révélation. Et il m'a appelé pour dire, ah mon gars, viens. Viens. Chacun, on est entre nous, chacun connaît un peu la pression. Moi, je travaille beaucoup dans la croissance de l'église, l'expansion de l'église. Il dit, viens, je veux que tu pries. Et dans ma prière, j'avais une seule parole. Je dis, je vous charge de sourire. Après, il m'a dit, non, tu n'as pas bien fait. Il priait dans le salon. Il dit, je vous charge de ce salon. Moi qui ai suivi, ils ont eu le terrain, ils ont bâti. L'église s'est étendue de façon extraordinaire. Je vais faire une déclaration. Ce matin, écoutez-moi très bien. Je vais faire une déclaration. J'aime cette communauté, j'aime cette assemblée. Je vais faire une déclaration. Vous êtes serviteur de Dieu auprès de Bishop. Vous êtes chante, vous êtes serviteur, servante. Protocole, quoi, tout, quelque chose que vous faites. Et quelque chose que vous faites aussi dans la vie de tous les jours. Je fais une déclaration. Je fais une déclaration pour l'Église. Que tout ce lieu refuse du monde au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Qu'il n'y ait aucun espace, qu'il n'y ait aucun espace, que tout soit occupé. Qu'il n'y ait aucun espace. Qu'il n'y ait aucun espace. Je suis comme un semeur, je suis en train de prendre la graine. Un jour, il y a un fou qui est rentré dans une église. Il a dit au pasteur, il dit, pasteur, en dessous de l'estrade, là où vous êtes assis, il y a de l'or en bas. Et le pasteur a dit, protocole, jetez le dehors. C'est pas ce qu'il dit. Et quand on jetait le monsieur dehors, il a dit, pasteur, là où vous êtes là, il y a de l'or en bas. Et le culte est fini, les gens sont partis à la maison. Il y a deux frères du service d'accueil qui ont cru à la parole du fou. Ils sont revenus à des pioches, des peines, ils ont cassé. Vous voyez les estrades là? C'était un bâtiment bas, on a fait un bien. Ils ont cassé tout. Bravant leur relation avec le pasteur, bravant leur relation avec l'église, ils ont tout cassé. Et pendant qu'ils creusaient, tout d'un coup, il a mis un coup de pioche. Ça a été quelque chose de matière. Il ouvre comme ça, il dégage le sable, il y avait un coffre. Il tire le coffre, il y avait de l'or à l'intérieur. Wow. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Je suis ce fou qui suis en train de vous dire, je suis venu faire une déclaration. Je suis venu faire une déclaration. Amen. Comme ça, ma prédication, c'était une déclaration. C'était une déclaration. Je
tu veux déclarer, susciter, déclarer des hommes du quatrième. Amen. Déclarer une atmosphère du quatrième. Amen. Lever des femmes et des hommes du quatrième. Amen. Dans votre entreprise, là où vous êtes, dans votre famille, partout. L'église va être une église du quatrième. Je suis venu déclarer ça. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez. Amen. Et confiez-vous en ses prophètes, pardon, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermi. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le prophète est pour ta fête et pour ta réussite. Amen. C'est pour cela que c'est prophète. Pro, du coup. Je veux que quelqu'un, après ce culte, après ces instants, qu'il ait une célébration, qu'il ait une grâce. Amen. M'entends ta main. La grâce va venir à l'intérieur. Tentez-le. Moi, je ne suis pas un voyant, mais il m'arrive de voir souvent. La grâce est déposée. Tu vas sentir, les mêmes vont s'abouti. La grâce est déposée. À partir d'aujourd'hui, que la clarté vienne au niveau de tes yeux. La clarté. Tu vas voir différemment. Même dans Matthieu, le chapitre 1, tu vas trouver une parole extraordinaire. Là où on ne voit pas, on voit la généalogie. Mais tu trouveras que généalogie a été établie pour voir la lignée extraordinaire royale de Jésus-Christ. La révélation divine va être communiquée à ton esprit. J'entendrai, je verrai comme jamais. Il y a une épée. Regarde, dis-moi de me regarder. À vous deux, la grâce vient. Prenez la grâce. Elle vient souvent. Prends la grâce. Si le Dieu des esprits, mes prophètes me visitent, j'entendrai, je verrai comme un feu. Si le Dieu. La grâce va s'exploser. Donc tu vas voir des gens, beaucoup de connexions vont arriver. La grâce va s'exploser. Seigneur, merci pour l'onction. Merci pour la grâce. Merci pour nos serviteurs. Tu nous donnes. Seigneur, cette révélation prophétique. Telle qu'il a été encore par quoi cela. Seigneur, reprends la grâce. Aidez-moi avec le prophète. Je vois les portes, mais je vois des gens qui parlent l'anglais qui sont autour de toi. Mais à qui tu es en train de prêcher, les portes s'ouvrent au pays, au niveau des pays anglophones également pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Et cette grâce soit avec toi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. C'est Dieu qui t'envoie ici.
jamais de cela. C'est la main du Dieu auquel tu as connecté qui t'a envoyé ici. Il te prend comme un arbre. Je vois un arbre grand, un arbre imposant. Aussi par rapport à ta stabilité matrimoniale, t'inquiète pas, il va t'éclairer, tu ne seras pas confuse. Amen. Grâce à lui pour toi. Amen. Dépose-la doucement. Amen. Vous êtes prêts à faire une déclaration? Vous êtes prêts? Amen. Oh. Est-ce qu'on est prêts? Je termine avec. On est prêts? Dis Amen très fort, dis Amen très fort. Amen. Oh, ton Amen n'est pas bon, il est fatigué. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que la grâce nous couvre en Jésus-Christ. Je fais une déclaration extraordinaire. Qu'il est la main de Dieu, qu'il est la main de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Oh, merci pour cette grâce. Éveiller toutes tes capacités. Amen. À partir d'aujourd'hui, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous marcher, merci de la grâce. Par la grâce, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne une nouvelle chanson. Amen. Une nouvelle chanson, une nouvelle chanson, une nouvelle chanson. Amen. Une nouvelle chanson, Amen. Une nouvelle chanson. Amen. Une chose que personne n'a jamais écrite, une nouvelle chanson. Amen. Qu'elle descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour cette œuvre, Bishop, je prie pour cette œuvre, qu'elle aille de l'avant. Amen. Son expansion arrive au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Dieu élève des hommes à un certain niveau de richesse. Amen. Richesse spirituelle, de richesse financière, Amen. Matérielle au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous élève, il vous donne une position en ces lieux. Amen. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. La grâce est atteinte. Tous les membres de cette communauté au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce que vos pieds franchissent ici, la gloire s'explose par l'onction de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui a assisté tous les hommes dans la Bible va vous assister au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle s'attache à vous. Cette main puissante de Dieu s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la grâce, reçois la grâce. De là où tu es, reçois la grâce au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire une déclaration. Écoutez, je vais appeler 40 personnes. Vous allez faire une semence de 40. D'accord? Elle est symbolique. Une semence de 40. Il peut avoir des enveloppes. Quand je finis, je prie avant de laisser le micro. Comme ça, demandez à ce qui est là. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la grâce. Posez-vous la question, pourquoi le déluge a fait 40 jours? Pourquoi Dieu, quand il a envoyé les esprits, ils ont fait 40 jours? Pourquoi les grands jeunes de la Bible sont 40 jours? Pourquoi Élie a marché 40 jours? C'est une phase de pleine stabilité. Et je vous ai prêché sur le quatrième. C'est une phase, n'est-ce pas, de stabilité à tous égards. Amen! Quand on appelle 40 personnes, en fait, c'est un cercle que j'ai ouvert. Je veux que les gens entrent dans cette atmosphère. C'est une semence symbolique. Souvent, Dieu est dans ce qui est symbolique. Ce n'est pas un gros montant, mais il prend ça comme une porte, comme une brèche. Il ouvrit tout un portail à l'intérieur. Il va appeler des gens. Et je ne sais pas quand peut-être on va le déposer. Ceux qui ont ça maintenant, vous le déposez. Mais au fait, dans le mardi, même, vous voyez. Même pas 4. Ok, même pas 4 déjà. Ok, donc ceux qui en ont, vous le déposez maintenant. Pas 4, vous le réglez maintenant. Mais je préfère que ce soit un truc spontané maintenant. Vous savez, quand. Quand Isaac parle à son fils Esaü, il dit, prépare-moi maintenant quelque chose que j'aime. Maintenant, c'est un adverbe de temps. Donc, il a besoin de ça de façon ponctuelle. D'accord? Oh. Un
jours, il y a quelqu'un, parmi tant les témoignages, on a appelé une semence comme ça. Le gars, il avait un boulot, c'était un menuisier, un boulot simple. Puis cette semence, quand il a fait, quand il venait de prendre ça de nos mains, il a senti qu'il y a une énergie qui l'a traversé. Il n'est pas tombé, mais il est parti, il est resté sous cette onction-là. Et ça l'a influencé en un mois. Il est venu dans le témoignage qui dit, pendant près de 15 ans de service, en un mois, à partir d'une simple touche, la grâce qui est rentrée, lui a donné de faire un chiffre d'affaires qu'il n'a jamais fait en 15 ans. Wow. Il faut la puissance de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi les gens savent détecter ce qui est symbolique dans ce qui est fait maintenant. Et souvent, je vous dis quelque chose. Et ça, gardez-le, prenez ça comme une